Hey yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory. Ah voilà, ça passe mieux. Alors. Donc j'ai ramené les différents. Un pipeline. Je sais pas. Donc tout arrive dans les tuyaux qui sont là. Et normalement tout arrive en haut même. Là j'ai... Ah oui, alors. Ah, c'est plein tout ça. Hein. Ça c'est plein. Et ici, j'ai fait une zone de construction. Pourquoi ? J'ai pas la place. En fait, j'ai Theorycraft, ce dont j'avais besoin. Pour ma planification, on va dire, de production. Donc, en production, il y aura 400 de plastique, 400 de caoutchouc, 300 mètres cubes de carburant et 450 coke de pétrole par minute. Et en fait, tout ça, ça va me demander 52 raffineries. Voilà. Et quand j'ai vu ce chiffre 52, je me suis dit... Non mais 52, jamais ça passe là-bas en fait. Jamais je mets 52 raffineries là-bas quoi. Donc j'ai fait une plateforme ici. Et je pense que ça sera... J'espère que ça sera suffisant. Là je me dis... J'ai pas du béton quelque part. Là, je me dis, alors c'est bien de faire tes 52 plateformes, mon coco, c'est bien d'avoir préparé ton épisode, mon coco, mais si tu pouvais bien préparer ton épisode la prochaine fois, ce serait bien. Ce serait encore mieux. Non, mais ça nous permettra de faire vite. Donc, j'ai rajouté également des l'hypertube. Merci. Oula, attendez, excusez-moi, c'est vrai que j'ai un stream d'ouvert en même temps. Ça va pas le faire. Hop, voilà. On entend tout ça. Donc j'ai mis un hypertube là pour remonter directement à la base. J'ai tiré le câble électrique et tout le bazar. Là vous voyez un deuxième hypertube. Tout simplement en fait c'est l'hypertube qui va juste tout en bas. Voilà, plutôt qu'avoir à monter et se casser le bonbon là, les bonbons plutôt à faire tout ça là, tout ce bazar là. Oula. Voilà. Moi je me dis le jour où j'ai une coupure d'électricité, je suis baisé, mais bon, ça c'est pas grave. Et voilà, ici, hop. Tatatatam, j'ai juste à remonter comme ça. Tellement mieux, tellement plus pratique, plus rapide, etc. Alors, donc j'étais venu chercher. Oui, du béton. Non, parce que, je vais vous montrer, mais j'ai vraiment essayé de bien préparer mon épisode en plus. Pour une fois. Enfin, pour le coup, j'ai fait ça ultra... Presque bien. Comme je vous ai dit, déjà, j'ai l'arrivée de tous mes... Les pipelines, voilà, les, parce que les, on s'en fout, c'est... voilà, hein, c'est non-genré. Et là, en plus, j'ai tout préparé, genre des coffres de manière individuelle, chaque coffre a son truc, j'ai ramené tous les trucs, enfin, toutes les quantités qu'il fallait, etc. Donc à part ma petite bourde, j'étais content quoi. Ensuite, bon, bah là, ma petite bourde comme je disais. On va faire le deuxième étage. Donc vous avez l'habitude maintenant avec mes constructions. Tac. Tac. En bas, on met tout ce qui est transport entre guillemets des matériaux, des fluides, des produits finis, des produits pas trop des produits finis d'ailleurs, des produits semi-finis, des produits transformés, etc. ou des produits bruts d'ailleurs. Et en haut, on met tout ce qui est bâtiment. Non, pas bâtiment. J'ai pas envie de bâtiment. C'est
pas appelé ça atelier non plus. Machine, voilà, machine de production. Hop. Oh, il y a un petit loupé là. Ouais, un petit loupé de ci, de là, mais bon, ça c'est... Et ça tourne sur deux de hauteur, enfin avec un de hauteur au milieu. Heureusement là c'est rapide, j'avais assez de matériaux de construction. Et mine de rien, j'aimerais quand même bouffer 2800 je crois des matériaux de construction hein, du béton hein, à faire ça. Donc 2800 x2 avec les étages, hein, ça commence à faire pas mal quand même. 5600. Ça fait pas mal. Alors voyons voir. Que je me trompe pas. C'est où? C'est puis. Voilà, mon ma planification. On va prendre le graphique parce que sinon j'y vois que dalle. Donc j'ai calculé en arrivée. Alors on aura, parce qu'on n'a pas actuellement, parce que j'ai pas la pipeline MK2. Mais quand on aura la pipeline MK2, on aura 1200 m3 de pétrole brut à l'arrivée. 1200 m3. Qui fait que j'ai besoin de 40 raffineries en tout. Alors, les raffineries. Du moteur, donc ok, 40. On va faire les calculs. Alors, j'ai déjà vidé tout ce que j'ai en bordel. J'ai pas un coffre bordel là. Ça y est, je vais déjà mettre le bordel partout. Moi. Alors, on va essayer de faire ça bien. Ça, j'ai pas. Ça, j'ai pas. Ça, j'ai là. Ça j'ai là, ça j'ai pas, ouais, ça j'ai avoir besoin de le mettre là. Ouais, tout ce qui est bois et tout, ça compte pas, hein, bordel. Non mais je me donne déjà des excuses, hein, parce que je suis chiant à trier le bois. Du câble, les moteurs. Ouais, les moteurs, on n'en peut plus, ça dégueule. Hop, hop, et hop, ok. Donc on va trier le reste. Grosso modo, j'ai du béton. Alors, la raffinerie. C'est. Putain, 10 poutres en béton armé. 10 fois 40, 400. Donc 400 poutres en béton armé déjà. 400 poutres. Oui, c'est pratique. Les moteurs, 400 moteurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, ça me permet de ça, de laisser ça là. 400 moteurs, ça je les ai. Raffinerie. 3. Attends. 3, 30 fois 40. 1200 tubes en acier. 4, 6, 8. 12. Et le dernier truc c'est 800 tôles de cuivre. 2, 4, 6, 8. Ok, bah maintenant on va falloir placer tout le bordel. Voilà. Alors ouais, peut-être faire commencer ici. Histoire d'avoir un peu de marge. Ah, ça fait beaucoup de marge quand même. Je vais le mettre là. Je pense que je vais plus le mettre là. On verra après. Alors, voyons voir. Ici. J'aime bien. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hein? Ah, 18. Je peux pas mettre mes 20. J'aimerais bien pouvoir en mettre 20.
ça m'arrangerait. Voilà. On va détruire tout ça. On va faire en sorte de pouvoir en placer 20. Donc, on va faire deux choses. On va agrandir notre plateforme. Je pense de 6 en largeur, ça devrait. Ouais, oh, 6 à mon avis, je suis bien. Il est où mon béton? Il est sur moi mon béton. J'ai plus que ça. Parce qu'en fait, c'est ça là qui nous bloque. Et après, j'ai peur d'être bloqué en profondeur donc. Terminé ça. Voilà. On va grandir un peu là comme ça. Moi, je peux pas trop grandir en vrai comme ça. Là, sachant que je veux pas jusqu'à où ça, je sais pas d'où jusqu'à où ça va. Je pense que ça devrait être bon. Je suis limite hein, au niveau béton, bah voilà, j'ai plus de béton. Bon allez, on achète n'importe quoi, on va aller en récupérer, heureusement c'est pas très loin. Et on verra comment passer les raffineries. On verra comment placer tout ça. C'est là où je serais content d'avoir les décathlons là. Parce que là en fait que je prenne l'hypertube ou non, j'ai l'impression que je mets à peu près le même temps. Au moins pour la montée, pour la descente. On va descendre, c'est à voir honnêtement. Hop là. Parce que la descente, on est quand même bien rapide. Voilà. Youhou ! Tac. Je vais essayer de le placer à peu près comme il faut. Je sais pas où. Là. Ouais, je dirais là. Je dirais sur cette ligne là, ça devrait passer. Je vais les mettre sur cette ligne là. Raffinerie. Un peu de rab au cas où. Ce que je pourrais me faire, mon, on s'en fiche. Pour l'instant, j'ai pas besoin. C'est séparer les deux parce que là, en fait, on va avoir 20 et on va avoir 2 fois 20. Oui.
Oh, d'ailleurs, je vais faire de la coloration parce que sinon je vais pas y arriver quoi. Alors j'utilise très rarement les couleurs, mais alors pour les pipelines, je trouve ça ultra pratique, mais vraiment ultra pratique. Alors, 10 plastiques, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 plastiques, caoutchouc, j'ai fait quoi, merde, caoutchouc, j'ai fait les plastiques résiduels ici, ou j'ai fait les, non c'est bon. Caoutchouc, donc 1, 2, 3, 4, A, 5, 6, j'arrivais pas à faire mon contrôle V, 7, 8, 9, 10, ok. Ce qui rentre ici, ça va être que du... Que du liquide. On va dire comme ça, c'est un peu bizarre, mais oui, c'est que du liquide qui rentre. Et chaque truc... 30, ok. Chaque raffinerie me consomme 30 par minute. Ok, si je me trompe pas, Mitchu, il doit être là-bas. Ok. Donc... Logistique... Passage au sol pour pipeline. Plaque de fer et plaque et barre de fer. Mince. Alors ça. Tige de fer, je suppose, plutôt que barre de fer. Parce que barre de fer, je connais pas. Ouais, c'est ça. C'est original ça. Hop, et ce que je veux faire, c'est custom le machin en couleur. Ah non, mais c'est impeccable, c'est ça, c'est tout en noir. Hein. Je vais mettre du pétrole brut, donc ça va être tout en noir. Ça copie la couleur. On va devoir se retaper toute la couleur après. C'est vrai. En fait ouais, noir c'est pratique parce que c'est la couleur du pétrole, donc on va essayer de faire ça. Enfin moi c'est comme ça que je le vois. En plus, je le vois de la même couleur, donc même si c'est pas la noire, au moins je sais que pour mes yeux ça fait à peu près la même chose. Customiseur, hop, maintenant on va faire attention. Envie de customiser le béton. Et hop, customiseur, nuancier, allez hop, comme ça, voilà. Voilà, comme ça on est bien. C'est que là, si je me trompe pas, merde,
Ah oh, putain, oh, là, je suis bloqué en plus. Voilà. C'est que là. Moi je produis. 150. Ça c'est les deux qui produisent les moins, je crois. Ouais. Je vais les regrouper hein. Je vais les regrouper dans un MK1, je sais pas mon petit kiné. Ça va me faire économiser de la place en plus. Allez. On va faire ça bien. Ici, on tire le truc jusqu'à. J'essaie de faire ça en face quand même. Ça, ça soit pas trop dégueulasse. Et on tire jusqu'à là. Voilà. Freeze là, c'est pas grave. Là, je peux te mettre une pompe. Alors, dans l'autre sens, si possible, quand même. Voilà, c'est joli monde, bien évidemment. Ce qui fait que je gagne de la place là, surtout. Donc, ça. Matériaux aussi. Ok. Donc là, je sais que j'en ai 300, j'en ai 3. Non, j'en ai 300. J'en ai 600 et j'en ai 300. Ah, c'est chiant. Ah, j'aurais bien aimé avoir l'inverse. Ouais. J'aurais aimé avoir la. En fait, j'aurais aimé avoir 600 sur celui-là. C'est ce que je vais aller faire. J'ai pas mon kikiné. Tiens, j'ai une électrolimace ici. Voilà. Oh, c'est de la triche, ça, par contre. J'ai failli m'éclater la tronche. Ok. Bah, là, j'ai 300. Et là-bas, j'ai 6. Ouais, c'est bon. C'est un peu chiant. C'est même très chiant. J'aimerais bien y voir un peu plus clair, merci. Ah, il me faudrait une jonction d'intersection, c'est dommage chien, que ça n'existe pas. C'est que ça en fait, là et ça arrive là, tu vois. Un truc mais qui fasse propre. En vrai c'est pas dégueu mais ouais, ça n'existe pas forcément non plus. Hein. J'ai pas moyen de faire un truc sympa. Si. J'ai une idée. Ouais alors Oh.
J'aime pas. Ouais, là c'est correct. Ok, je préfère. Bon, c'est pas terrible, mais voilà. Ok. Donc là, ce qui fait qu'il y a. Là, j'ai 600. Oui. C'est que là, j'ai mes 600. Et là, j'ai mes 300. Et ce sera beaucoup plus facile parce que comme ça. En fait, c'est simple. J'ai mes deux rangées là. J'ai mes deux rangées de trucs là. De raffinerie. C'est ça. Elles me consomment. Donc mes deux rangées de vin. Elles me consomment chacune 600. Donc là, ce que je fais avec ces deux-là, c'est que je dis, bah hop, ça va dans... De toute façon, ça, ce sera du MK2. Hein. Ça, à terme, ce sera du MK2, donc voilà. C'est que ça, à terme, ce sera un seul truc. Mais c'est pas droit, j'ai l'impression que rien n'est droit. C'est dingue, c'est une dinguerie, ça. L'impression que dans ce jeu, rien n'est droit. Là. Il y a un effet d'optique. À la fois. Mais non, en fait, les pipelines ne sont pas droites, effectivement. J'ai remarqué que c'est pas droit du tout, que c'est dégueulasse, c'est moche, et que je peux rien y faire. Donc voilà. Je disais... C'est que là, j'aurai l'arrivée que d'un seul tuyau à terme. Et donc, chaque tuyau de 600 mètres cubes alimentera une rangée. Comme ça, je m'en kikinerai pas. Ce qui fait qu'en fait, ça... Non, si, c'est bon. Ça, je peux pas. De toute façon, c'est chiant. Là. Ça, c'est terrible. Regardez, en fait, ça... Ça sort un peu là, ça fait une grosse fesse, on va dire. 2D auto, ouais, j'aurais dû faire ça en fait. Ah, d'accord, c'est le mode que j'ai utilisé, je crois, qui est dégueulasse. Ouais, parce que là, c'est propre. Ça m'a l'air propre. Ça m'a l'air beaucoup plus propre, ouais. Admettons, là, je fais du 2D auto. Ah oui, bah oui. Ah bah y a pas photo. Regardez, là, vous voyez, il y a une courbe chelou là. Regardez, ça vous verra encore plus. Là, les deux là, ils sont impeccables au niveau de la courbe. Et là, regardez là. Là, vous voyez, hop, zut, ça fait une courbe dégueulasse vers l'extérieur. Bon. Mode de construction 2D auto qui me paraît la meilleure. Là, on est bien, ça remplit. Hein. Oui. 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 Donc, ouais, comme vous voyez, je suis resté AFK pas mal encore longtemps. Donc en fait, là, tout ça, ça ira vers la deuxième rangée. Et ici, je vais juste avoir un petit truc à faire. C'est... Bah oui, c'est ça. C'est des pipelines, comme ça en fait. Je vais voir au niveau de la profondeur, lequel est le mieux. Enfin, c'est du jonction, en fait. Oh là. Trop obligé de mettre des courbes, ok. Parce que là... Ok. On va faire l'alimentation comme ça. Hop. Encore deux, c'est dingue ça. J'ai l'impression d'en avoir 650. J'en ai fait 20, normalement. Il
Il est un peu bizarre lui, je sais pas pourquoi j'ai pas confiance en ça. Là bah en fait ce qui est bien c'est que je pourrais partir seul, tranquillou, j'ai rien d'autre à faire. Parce que je crois que je vais en avoir besoin de 2 tonnes. Et 2 tonnes, c'est peut-être un peu plus. Peut-être moins que ce que j'en ai vraiment besoin. What? Waouh! On a eu un petit loupé là. Très important, customiser. Comme ça, on sait exactement la nature de ce qu'il y a dans notre pipeline. C'est du pétrole. Là, on est bien. C'est noir comme ça, noir de jet là, noir d'encre, noir d'encre de poupe là, vache. Ensuite, j'ai besoin de câbles et de fils. Ouais, peut-être falloir alimenter tout ce bazar un jour. Alors, câbles et fils. Câble. Fils déjà. Câble, je crois qu'il est quelque part là. Ça suffira, on verra bien. Par où il est alimenté ce truc là, de l'autre côté, de l'autre côté. Ah bah, c'est pas là. Ouais, ça passe. Alors là, ce qui est un peu chiant, c'est que... Attends, je l'ai mis dans le bon sens. Oh mon dieu, je te jure, si je l'ai pas mis dans le bon sens, je suis dégoûté. Non, c'est que ça sort par là. Ok, c'est comme ça donc. Ah ouais, vraiment là. Oh. On va rapprocher un peu plus. On va mettre ça comme ça. Hein. Coller de chez coller quoi, qu'il faut que je le mette. C'est marrant, ça s'est alimenté du côté de la sortie, alors que la majorité des autres choses s'est alimenté du côté de l'entrée. Ok. En vrai, je peux faire l'alimentation de ce côté. Vu qu'on n'a pas grand chose à mettre en théorie de ce côté, autant alimenter comme là. Hein. Hop. Hop.
Oh putain, par contre la console là. Vut ! Oh ! Ça va que j'ai pas grand chose qui tourne. Et. J'ai rien en entrée. J'ai pas de pétrole en entrée. Je crois savoir pourquoi. En fait, je crois que j'ai pas relié mon truc en bas à mon arrivée de pétrole. C'est couillon, mais c'est comme ça. Oh, il y a le vide là. Ah oui, c'est ça. Bah oui. Ouais, ouais. Donc là, dès que j'aurai du MK2, ce sera un peu plus... Oui, ce sera tout de suite mieux. En attendant que j'ai du MK2. En attendant que j'ai du MK2, je vais faire ça, je vais tirer des... Ouais, ça va être chiant, hein. Je vais devoir tirer un truc là tout le long, là. Dégueulasse. Ouais, je suis pas fan. Ah, on avait dit... Courbe 2D, 2D auto. Tac, c'est ici. Contrôlé pour 5 km de pipeline. Ah oui, ben, tu m'étonnes. Bon, ça je vais le laisser en couleur dégueulasse orange pour bien montrer que ça soit ça que je dois pas garder. Et tout ça là, ça devrait se remplir normalement. Et les raffineries sont censées tourner. On va savoir. J'ai une augmentation de la conso, pas plus que ça. Hein ? C'est bizarre. Rien qui rentre. Ce reste par pur hasard une question de hauteur. Parce que là j'ai. Et. Putain, ça c'est chiant ça. Oh là là, putain, ils sont bloqués encore. C'est que là ça monte pas. Ouais. Donc. Et c'est là où c'est chiant. Mais c'est pas grave, c'est que là... Rotor, oui, bah pardon, excusez-moi du peu. Hein. Je crois qu'ils sont là. Voilà. Là c'est censé envoyer, c'est censé surtout envoyer en hauteur. Oh mon vieil, j'ai pas réussi ça là. Et là, ça travaille déjà, je crois avoir vu que ça travaille. Ouais, ça travaille. Ouais, la majorité là commence à travailler. Bon, ça souffle pas une couleur très voyante, donc j'arrive pas à voir. Oh putain, tant que ça. Ça me consomme tant que ça? Oh merde! Alors ça c'était pas prévu! Alors, dès la première ligne Ouais! Ouais d'accord! Ouais non mais... comment je peux passer en plus là? Faut pas que je laisse trop en plus parce que sinon je vais pas avoir assez. J'ai mon charbon, il va se barrer. Là. Non, mon pied, c'est bon. Ça va venir, c'est une raffinerie qui me bouffe tout là. À moins que j'ai un problème au niveau de mon électricité, mon anime d'électricité générale.
pas possible, non ? C'est une dinguerie quand même, c'est une dinguerie, ça. Conso, production, capacité de gars. C'est 2 gigas, on... Je consomme 1005 là ? Ah, j'ai dû faire tourner pas mal d'usines là avec... Quand je suis allé chercher des matériaux, j'ai dû faire tourner, j'ai dû lancer beaucoup d'usines là en fait, qui étaient au repos et qui, bah, comme elles sont pas complètes, elles consomment beaucoup. Ah bon, ça passe là. Ah putain! Ah putain, je me faisais chier à passer de l'autre côté et ça peut. Ok. Bon bah c'est bon à savoir. On va faire notre deuxième rangée de raffinerie. Non, on va faire la récupération déjà de. Mais là, ça me sort deux choses en fait. Ça me sort et le plastique. Donc ça, c'est facile entre guillemets parce que c'est mon produit fini. Donc ça, c'est vraiment tranquillou à utiliser et ça me sort du résidu de pétrole lourd. Ça, c'est un peu plus chiant. Ça me sort 400 plastiques par minute. Ma question, c'est est-ce que je fais tout, ramène tout par là-bas ou est-ce que je ramène tout là ? Ça, c'est une très bonne question. Donc, on va commencer par gérer ça. Je peux le gérer comme ça ? Horizontal à vertical. Ah. Ok, sympa ça. Je commence à comprendre un petit peu mieux le principe de l'utilisation là des modes de construction sur les pipelines. Alors, on a deux choix sauf notamment là. Soit je fais une rangée de construction de plastique et j'envoie tout le plastique dans d'un coup en fait en me disant bah là je mets des groupeurs. Voilà, on va essayer d'ailleurs, juste je vais voir un peu ce que ça donne. Là, si je fais ça, ça fait quoi là ? Ah ouais, ouais, là c'est, ah, c'est pas mal. Ah, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça, hein. Ce sera vraiment pas mal. Donc on va changer notre prod, ça changera pas grand chose, hein, de toute façon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, 11e, ça doit être ça. Et ça, ça doit être du plastique. Ça doit être du caoutchouc. Oui. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, je récupère du caoutchouc. Waouh. Et 10. Ah, oh, tiens, pendant que j'y suis. Alors, customizer, je peux faire un nouveau ancien, ouais. Je peux en faire un nouveau On peut pas en créer autant qu'on veut. Ah, c'est de la merde ça. Là.
Bon. Alors. Ah, c'est toujours le même bordel là. C'est en quelle couleur cette merde? C'est une sorte d'orange. N'importe quoi. De rose chelou à la con là. On dirait un truc à moitié comme ça là. Comme j'y vois que dalle, attendez. De toute façon, moi j'ai un truc, ça s'appelle. Ça s'appelle Te fais pas chier, mon gars. C'est Alt Imprime. Pourquoi ça m'a lancé Paint 3D? Non, Paint tout court. Voilà. Vous ouvrez Paint. Vous avez pris votre impression 3D, impression écran bien sûr avant. Hop, la pipette. Hop, vous prenez un endroit. Faites modifier la couleur. Voilà, vous avez la teinte, la statue, là, tout le bazar. Et vous avez surtout le code RGB qui n'est pas du tout affiché. Pourquoi il n'est pas affiché sur Paint? Oh, les enfoirés. Oh, les petits cons. 144. Oh, putain, mais attends, on voit pas le chiffre déjà. Combien? 184. Pardon? Bah non, mais non, c'est pas ça du tout. Hein. Mais c'est pas ça du tout. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi ça? Mais c'est quoi leur code RG? Mais c'est quoi leur méthode à la con? Vas-y, je comprends rien. Je vous jure, ouais, non, mais. Putain, en plus, le seul truc que j'ai pas, c'est le code RGB ici. Oh, casse-couille. Bon, attendez. Ah, c'est autre chose, hein, parce que c'est vraiment de la merde. C'est dingue, ça, quand même, galérer autant. Voilà. Give me the pipette, s'il vous plaît, là. C'est où, pinceau, là? Pinceau, pipette. Ah, pipette. Personnaliser, oui, bah personnalise au mon vieil là, personnalise, mais sors-moi cette putain de couleur. Voilà, voilà, putain, et dis donc, tout ça pour ça. Hein. Ouh. Voilà, hein, la sortie. Alors, je sais pas qu'est-ce que c'est comme couleur, hein, c'est. Moi j'ai l'impression que c'est un mélange entre violet et rose. Ah, c'est dégueulasse sur le béton. Oh la vache. Alors c'est pas trop mal sur du. Sur les pipelines. Ah mais sur le béton là, ça fait pas fini. Hein. Ça fait bah on n'avait pas assez de budget, du coup on a fait que la première couche quoi. Voilà, comme ça on a la sortie là. De toute façon ça finira en MK3 donc je mets que du MK1 et à terme je serai obligé de mettre du MK3. Alors, oui. Ah oui, c'est vrai qu'il y aura aussi une petite particularité à ça. Je sais pas, avec l'air grouper, il y aura une particularité en fait, c'est particularité due à la production de pétrole en fait. C'est un problème de liquide en fait. C'est que comme ça produit plusieurs choses à la fois, eh ben il doit obligatoirement vider ses. Enfin. Merde, oh là là, les frises là. Il doit obligatoirement bien évacuer ses deux productions, sinon bah il peut pas en produire qu'un sans l'autre quoi.
C'est un petit loupé là. Ça fonctionne aussi, mais on va éviter de faire un détour quoi. On peut éviter. Donc le détour n'est pas le chemin le plus rapide, c'est quand même dommage. Ok. Bon, c'est un peu chiant là par contre. Voilà. Donc, la petite particularité. On va la faire avec les moyens du bord parce qu'actuellement on n'a pas tout ce qu'il faut, mais. C'est quand même un répartiteur. Et le répartiteur, il va dire quoi? Il va dire tu me stocks. Tu me stocks rien du tout. Parce que je sais pas ce qu'il faut. Et l'autre, il va me dire tu détruis. Tu me détruis rien du tout. Plaque de fer renforcée. Il manque plaque de fer renforcée et tuyau ou tôle en acier. Je sais pas, tôle en acier. Juste vérifier. Hein. Putain, on est déjà presque à une heure. Le fer renforcé, c'est ici. Ouais, je vérifie aussi ma consommation actuelle d'électricité. Elle devrait baisser au bout d'un moment, quoi. Après, je sais pas trop au bout de combien de temps. 1000, 1500, 900. Bon, déjà on l'a fait baisser un peu. Là, chaque truc me prend combien? 3 x 10 x 20, je suis à 600. Ça devrait passer là. On va essayer. Ouais, ça passe. Ah, c'est bizarre. Donc, on disame. Je disame donc stockage. Coupeur industriel. Hop. C'est quoi le délire hein? Il a fait dans le mauvais sens. Là, ça me commence à me gonfler aussi. Hein. Ouais, si, c'est dans le mauvais sens. Pourquoi d'un coup là? C'est quand même dinguerie ça. Ah, on m'explique pourquoi ma console là, est... d'un coup là, 2006, ben non, enfin, hein. Je suis bien, je suis tranquille, je suis à 900, allez je suis à 1000 on va dire, à 1000 je suis censé augmenter de 600, parce que 30, chaque... Chaque raffinerie me consomme 30. 30. 30 x 20, 600. 1000 plus 600, 1600. 1000 plus 600, c'est pas égal à plus de 2000. Hein. Problème là. Mais j'ai ma console, elle est remontée à la montée de baiser là. Mais comment ça se fait? Ma console fait des pics. Dès que je lance. Je sais pas. Ah, regarde! Mais c'est quoi ce pic? C'est dû à quoi? Enfin, j'ai quand même 400 mégas, 500 mégas qui sortent de je sais pas où. Hein. Ça serait ça? C'est 40. 4, 4 x 4, 160. Ah non. Alors j'ai aussi pas mal de pompes. Mais c'est 4 mégas. J'en ai pas non plus 100 des mais. Même s'il y avait 100 en pompe, ça ferait 400. Oui, là, il me faudrait 100 en pompe. J'en ai à la rigueur à tout péter, j'en ai 20. Mais je comprends pas. Ça fait des vagues la conso. C'est pas stable. C'est dégueulasse. Bref. Bon. Là, tout ça, ça stocke. Ça, c'est bien déjà. C'est une bonne chose de fait. Je
spécial broyeur. Bon là ce qui est chiant, c'est que j'ai 50-50. Ce qui sera moins chiant à terme, c'est que j'aurai... le répartiteur était intelligent, je crois. Et je pourrais lui dire si le premier, la première sortie est complète, alors tu m'envoies dans la zone. Et à partir de là, en fait, ce sera, j'aurai plus de soucis de. J'aurai plus, enfin, j'enverrai pas la moitié dans mon broyeur, même si c'est vide au niveau de ma production, parce que là, je suis obligé de tout faire sortir, quoi. C'est un peu comme là les résidus de pétrole brut là. Hop, avec du pétrole brut, je vais aussi avoir un souci. Faudra que je l'utilise. Ça, je l'utiliserai pour faire du carburant. Le carburant qui fera de l'électricité, et ça, ça mènera pas mal. Bref. Ça, on va peut-être l'utiliser par là. Ok. Ouais, y a toujours ce truc d'électricité, je sais pas. Je sais pas trop ce que ça fait là. J'ai un peu du mal à comprendre. Hop, c'est rebaissé là. C'est retombé. Hein. C'est retombé. Donc là j'ai 600. 600. 160 plus machin. Ah non, non, mais je suis jamais assez. Je suis jamais à autant. Je sais pas d'où est-ce qu'il est. Est-ce que ça... Là ça augmente. Là je suis à 1400, je suis tranquille. En capacité j'ai 2700. Et là je vais réavoir un pic encore. Ouais, ça augmente là. Non, ça se stabilise. Ouais, ça augmente. Petit à petit ça augmente. Je sais pas tout ça. Mais 8, ok, je comprends. Mais 2000, non, 2000, j'ai du mal. Ah bah non, ça va recouper. Je sais pas si vous avez vu là, ça fait un sacré pic. Hein. Et je sais pas ce qui tourne. Hop, là on est encore à 1004. J'ai aucune idée de ce qui tourne, d'où ça tourne en fait. Vraiment, honnêtement, je vois pas où ça, d'où ça tourne. Quoi. Hop, on va faire un petit trompe. Et d'ailleurs... Ouais, si, je suis pas mon kikiné. Non, 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 j'ai rien dit. Là, je suis tout proche, ça sent rien que je coupe ici. J'ai un... Il y a un endroit, je sais pas quoi, qui produit à balle. Et à balle. Ça, je veux bien, mais ça me produit pas tant. Tout ça, c'est à l'arrêt, là. Regardez, ça clignote, c'est plein. J'ai mon acier, à la rigueur, ouais, je veux bien. Je veux dire, ça fait pas des hauts et des bas de prod, quoi. Regardez, oh, c'est monté à 1004 quand même. Et là, ça redescend. Et là, j'ai honnêtement aucune idée de ce dont il peut s'agir. Quoi, c'est dû? À quoi c'est dû ça? Mais ça va me bloquer en plus. Ça va sacrément finir pour me bloquer en plus. Bon. On va finir sur un petit truc. C'est que je vais faire un arrêt du hypertube ici. D'accord. Parce que là c'est un peu loin. Un peu chiant. Hop.
Transport. Entrée pour hypertube. Hop là. Ouais, bon, ça serait que... Voilà. Et c'est pas le pipeline en plus. C'est... Qui est-ce qui consomme quoi? C'est dingue. Alors, je vais juste... SF, c'est quoi? On va voir un truc. Ça va être très simple. Là, en faisant ça, je vais savoir combien tout le reste de ma ligne consomme. Donc là, c'est juste les pompes et quelques pipelines. Consomax, 600. 600? Pardon? Quoi? Comment ça, autant? 600? Mais j'ai 4 pompes. Ah punaise, je sais. Non mais c'est bon, cherchez pas. Je crois que j'ai compris. C'est que je les ai toutes boostées, mes pompes. Donc elles consomment, elles produisent certes 2,5 fois plus, mais elles consomment 2,5 fois plus. Bah ouais, c'est ça. Donc en fait, elles consomment pas 160. Elles consomment 400. Ah, ça me met dans la panade à pas grand chose en fait. Elle me consomme 400 en fait. Oh la vache. Parce que en fait chacune elle me consommait 40. Elle va me consommer 100. Ah. 100 plus tout ça, ça me consomme 600. Donc déjà je suis à 1000. Et au vu de ma marge, 1000, bah il suffit que j'ai un peu de fluctuation et ça bouffe le reste quoi. 1000 plus les quelques pompes là. En fait ça me met dedans. Putain. On va voir tout ça. Parce que là je consomme 900. On va vérifier ce que je consomme. On va aller checker au niveau de notre production, tout ce qui est acier, tôle de cuivre, etc. Et on va voir, parce que ça, si ça produit, ça veut dire que si quand la production sera complète, tu vois, rien que là par exemple. Là. Là, déjà, j'ai... Bon, c'est pas grand chose, 17 mégas. Ouais. Vous avez peut-être pas pris le truc le plus... peut-être pas pris le truc le plus démonstratif quoi. Tout ça, ça produit pas, ça a pas l'air de produire déjà, donc c'est tout ça de gagner. Ça, j'arrive pas à voir si ça bouge, hein. Je vais beaucoup trop vite pour voir si ça bouge. Ça bouge pas. Tout ça là-bas, par exemple, ça consomme. Et ça, là, ça me consomme jusqu'à 405. Mine de rien, ça fait un paquet. Après, la bonne nouvelle, là, c'est que c'est complet. Donc la production de tout ça devrait baisser dès que ça, ce sera vide. Pas complet ça, donc ça c'est complet. Le béton, ça a pas l'air de produire. Que ça produit et ça consomme un peu. Par contre, ça produit. Pardon, délire. Ouais, donc tout ça en fait, bientôt déjà ça produira plus. Mon acier là-bas, mon acier il va produire à balle. Par contre, j'ai des doubles conteneurs. Ouais, en fait, ça a pas l'air de bouger. Hein. En vrai, ouais, le charbon là, en passant devant, il avait pas l'air de bouger. On va voir.
Non, parce que en vrai, comme je vais pas avoir vraiment besoin, il faudrait que j'aille chercher un force machin de tout la prod là qu'est là, je vais pas en avoir besoin, on va dire incessamment sous peu normalement. Et le but c'est d'avoir le moins de consommation d'électricité possible pour le lancement de mes raffineries, parce que les raffineries vont me produire en fait du carburant. Et le carburant. Là, c'est complet là-bas. Oui. Et le carburant, je disais. Ouais, tout ça, ça bouge pas, c'est bien. Bah, ça va me permettre d'alimenter en fait des centrales. Si je me trompe pas, je vais voir un truc. Source de jeu, bâtiment. Alors, elle est où? Électricité, c'est quoi ça? Oh la vache. Oh putain, il y a plein de trucs, je sais pas ce que c'est. Générateur à carburant. 250 mégas. Ouais, le générateur à carburant, c'est 250 mégas le générateur. Oh, c'est génial ça. Et ça prend du carburant ionisé. Wow, carburant. Oh, putain. Putain, c'est quoi carburant ionisé? Carburant de fusée, ouais, carrément. Ok. Mince, je suis allé un peu trop loin. Mais autant dire que ça va me produire pas mal d'électricité quand même. Et bon, par contre, je crois que les moteurs là-bas, ça me consomme la balle. Mince, j'ai pas regardé. Oui, non, je voulais. Parce que c'est bien de dire que ça me produit 250, mais ça me consomme combien? 20. Et je vais avoir. Ça me consomme 20 mètres cubes. 300. Donc ça va je pourrais avoir 15 générateurs carburant, donc 15. Et ça va me produire 3250. 3750. Ça va me produire 3750, donc 3,775 gigas. Et de base, c'est pas de la production d'électricité quoi que je fais. Hein. Donc une fois que ce sera lancé, ce sera bon quoi. Le problème c'est le lancement. Un build cost. Générateur carburant, ça demande du fil actif. Oh merde, tout ça j'ai pas. Oh là là, terrible ça. Là, ça doit tourner à balle par contre. Ouais. Ah non, non, c'est complet. Attends, c'est un délire. Alors, j'ai 750 qu'ils ont. Ah non, voilà, ça tourne un peu là-bas quand même. Barre de fer, tout ça c'est complet, ouais. Ça tourne quand même bien. Mais bon, je pense qu'une fois que tout ça tournera moins, voire plus, j'espère arriver aux 500 mégawatts. Ça devrait passer. Bon. Va falloir être un peu patient. De toute façon, le temps qu'on construise la deuxième rangée, etc., je pense que ce sera bien. Ouais. Bon, bah, moi, sur ce, on va se laisser ici pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu et je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain. Je vous dis à la prochaine. C'était Thiob. Ciao!